le tennis fauteuil, il y a une seule règle différente avec le tennis ordinaire, le tennis valide, c'est qu'on a le droit à deux rebonds. Quand ça a été créé, il y a maintenant plus de 30 ans, le tennis en fauteuil, les fauteuils pesaient plus de 25 kg. Et donc pour que ce soit possible de jouer sur un grand terrain, et bien l'adaptation c'était de créer cette règle des deux rebonds. Mais on se rend compte aujourd'hui, vu l'évolution et la vitesse à laquelle jouent les hommes et les femmes du circuit international, qu'on joue de plus en plus au premier rebond. Mais sinon, même chose, même calcul de points, 3-7 gagnants, tie-break, voilà, exactement la même chose. En fait, comme le tennis féminin. Après, il y a une spécificité. Moi, je l'ai découvert en 2002, c'est le revers inversé. C'est de faire un revers avec une prise coup droit, ce qui nous permet de trouver des angles impossibles, de taper des fois la balle dans le dos, comme ça, quand on s'est fait lober, de faire des balles court croisées, de jouer quand la balle elle est là, de ne pas être avec un revers traditionnel bloqué. On peut taper la balle haute. C'est quelque chose que moi, j'ai appris, que j'ai adoré d'ailleurs. J'ai découvert un coup que je ne connaissais pas alors que j'ai joué au tennis pendant 13 ans en valide. Une des spécificités du tennis en fauteuil, c'est la mobilité. C'est-à-dire qu'il faut toujours être en mouvement, on ne peut pas tricher. Il n'y a pas de pas chassé, il n'y a pas de petit pas, il n'y a pas de saut en arrière. Si on est mal placé, si la balle est trop proche de nous, on est dans une situation compliquée. Donc, en fait, imaginez de faire des 8. Vous êtes en fauteuil, vous faites toujours des 8. Vous rentrez dans le terrain, vous faites un coup, vous êtes directement en pivot, vous êtes dos au terrain, vous regardez derrière où la balle va être et vous repartez. Ce qui fait que quand à un moment la balle elle est loin, vous êtes déjà en train de pivoter, vous êtes déjà en mouvement et là vous pouvez relancer le fauteuil. Et c'est vrai que c'est très beau à regarder parce que ça bouge des 8 dans tous les sens et c'est quelque chose d'assez esthétique. En plus d'être spectaculaire. La préparation physique des athlètes, des tennismans en fauteuil, c'est la même que les valides, avec la spécificité qu'on travaille essentiellement le haut du corps, puisque le bas du corps, en général, soit est manquant en partie, soit fonctionne moins bien. Donc nous, beaucoup, quand on est sur la poussée, donc ça travaille au niveau des pectoraux, travaille des triceps, travaille du gainage, énormément, parce qu'on est toujours en rotation, donc abdos, lombaires. Et puis ensuite, et ça c'est l'essentiel, et c'est comme ça qu'on apprend, c'est de la mobilité extrêmement spécifique. C'est-à-dire tout simplement apprendre à se déplacer en fauteuil roulant, qui plus est avec des roues inclinées et avec la raquette dans la main. Puisque tennis en fauteuil, beaucoup de gens nous demandent quand ils découvrent si on doit mettre la raquette, si on met le manche entre les dents ou si on le met entre les jambes. Non, on n'a pas le temps. Ça va trop vite, donc on garde la raquette dans la main en permanence. Et ça, c'est quelque chose qui prend des mois, voire des années avant de le maîtriser parfaitement. Il y a plusieurs différences entre un fauteuil de sport, donc un fauteuil de tennis, et un fauteuil ordinaire, un fauteuil de tous les jours. D'abord, c'est l'inclinaison des roues. Donc il y a un carénage qui va de 15 à 20 degrés, ça dépend des réglages que vous avez fait, qui vous permet de tourner très vite, d'être beaucoup plus stable. Donc on a une sangle qu'on vient mettre au niveau des cuisses, une sangle au niveau du bassin. Il ne faut pas qu'il y ait de mouvement parasite. Tout petit mouvement qu'on fait, il faut que le fauteuil nous suive. Il y a une roulette anti-bascule qui n'existe pas sur ce fauteuil-là. Ce fauteuil-là me permet par exemple de lever le fauteuil-là pour monter des trottoirs. Chose qui normalement sur un terrain de tennis ne devrait pas arriver. Et donc quand vous retrouvez au service à basculer en arrière, il faut avoir cette petite roulette anti-bascule. Et c'est des fauteuils qu'on peut utiliser uniquement pour faire du sport. Évidemment, les joueurs ATP ou WTA pourront vous en parler parce qu'on vit avec eux, notamment sur les tournois du Grand Chelem. On a 6 ou 7 tournois dans l'année en même temps qu'eux. Ils le voient. Ils nous voient nous entraîner. Certains s'y sont essayés. L'année dernière à l'US Open, dans le vestiaire, Djokovic vient me voir et me propose d'aller jouer. Avant sa demi-finale, on a tapé la balle, lui et mon petit frère, qui est valide, contre moi et un autre gars en fauteuil. Voilà, et c'est une espèce de curiosité. Et puis ils voient ce qu'on fait en fait. Et donc c'est la même chose, simplement, eux le font debout, nous on le fait assis. Bon, ils dorment et ils voyagent dans des conditions un petit peu plus confortables que les nôtres, mais au final, c'est la même, c'est du sport de très haut niveau.